Prenez-vous de la metformine, premier médicament prescrit pour lutter contre le diabète. Retenez ceci. Selon les études, ceux qui prennent la metformine à long cours ou court risquent d'avoir un déficit en vitamine B12 comparément à ceux qui n'utilisent pas. Un déficit en vitamine B12 entraîne des dommages au niveau des nerfs. L'Association de diabétologie aux États-Unis recommande de faire un dosage périodique de vitamine B12, spécialement pour ceux qui souffrent d'anémie et de neuropathie périphérique. Êtes-vous fatigué, vous êtes dépressif ou bien vous avez des problèmes au niveau de vos nerfs? Faites un prélèvement sanguin pour voir si vous n'avez pas un déficit en vitamine B12. Il existe plusieurs vitamines B12 sur le marché. Mais ce que je vous recommande de prendre est la vitamine B12 méthylée. Je vous demande de prendre de la vitamine B12 méthylée car c'est la forme active de la vitamine B12 qui est mieux absorbée et retenue dans vos tissus en quantité plus élevée que la cyanocobalamine synthétique. La méthylcobalamine est utilisée beaucoup plus efficacement par votre foie, le cerveau, le système nerveux. C'est ce que vous devez faire si vous prenez de la metformine ou du glucophage pour quelque raison que ce soit. Vous devez absolument prendre un supplément en vitamine B12. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout, n'oubliez pas de partager. Merci.